Hello, c'est PRJV13 et bienvenue aujourd'hui sur Dungeons. C'est un jeu de gestion où est-ce qu'on est un maître de donjon machiavélique. Ça va être le fun. Voilà, je peux pas faire une nouvelle campagne. Je peux pas continuer une campagne vu que j'ai pas fait de campagne. On va faire une nouvelle campagne. Oh, qu'est-ce que t'as fait encore? Ok. ZQSD. Ok, ouais, non, ouais, t'as peu. Ah, Lexi. Bon, ouh. Ok, phew. Ah, c'est vrai, je m'en rappelais pas, mais je vais ranger les contrôles quand j'avais essayé longtemps. C'est charmant comme endroit. Bon. On est un petit serveur gobelin. Machiavélique. Rare. Ouais. Ah ben c'est bien avoir une map là. Juste un peu. Bon, on devrait être correct là. Wow. Ok, parce que le son sur le menu puis le son dans le jeu était pas pareil. Je pensais j'aurais bien c'était ça, mais non. C'est barré ici, une petite prison. Avec des squelettes. Enfin, j'ai finalement rejoint le donjon du maître. C'est bien. On ne peut bâtir de choses qu'ici, dans sa zone d'influence. Tout ce qui s'y trouve lui appartient, peu importe qui l'a construit. Bon, un autre coup d'œil dans le manuel. Quoi? Mince! J'aurais pu avoir une meilleure vue depuis tout ce temps. Voilà, j'étais soumis à un sort néfaste. Bon, il est temps d'y mettre un terme. Et vite. Oh, on peut faire de la magie! Hein? Ah, voilà! On voit mieux. Oh, il y a des erreurs dans le programme pour les lettres avec des. Des accents, puis whatever. Bon! Ah, c'est bien, tu peux avancer. Oh, on peut redescendre. Oui! Oui, c'est joli. Oh, des toutous. Non, c'est pas des toutous, c'est des rats! What? Bon. Voilà les escaliers qui descendent. Il ne me reste qu'à utiliser le levier près de la porte. Oh là là. Je jetterai bien un coup d'œil, mais le manuel parle d'un truc idiot du genre sélectionner les choses avec une souris. Je ne vois vraiment pas ce qu'il entend par là. Ben ça, je lis pas les trucs de même parce que c'est ben, je suis un peu habitué à ce genre de jeu-là, fait que c'est bien simple. Faut juste cliquer dessus. Voilà. Ouais, avance, pire. Votre fidèle serviteur ne tardera pas à vous trouver. Waouh! Victoire! J'ai déjà gagné. Yeah! Puis on n'a rien fait encore, c'est juste le tutoriel. Fudge! Bon. Hello, dude. Oh, mon maître, je suis votre humble serviteur, Monsieur Sbire. Ah! Je veux vous avertir, votre petite amie, cette traîtresse machiavélique, Calypso, se prépare à chelou. Vous renverser. T'es fait bouffer l'oreille. Est-ce donc cela que je prépare?
Oh. Et là, oui, Snoobilish. C'est comme une fée démoniaque, genre, mais un géant. Je vous laisse avec votre petit joujou, les choupinous. Je dois aller m'occuper de mon donjon. Mais Ouais, c'est pas conseillé aux enfants. donnez-moi, à l'évidence, on m'aura mal informé. Pitié, excusez ma hardiesse. Wouh! Hello, deux? Bon, hey, oh! Qu'est-ce qu'on fait? Maître, j'avais raison. Cette traîtresse de Calypso a ouvert les accès vers la surface et a attiré d'innombrables héros dans le donjon. Oh non! À l'attaque! Oups, comme je suis maladroite. J'espère que vous saurez gérer une telle avalanche de héros, mon cher. Car sinon, vous perdrez votre trône et je devrais aller de l'avant sans vous. Oh, mais j'avais oublié. Tout est déjà fini entre nous. Votre immondice, tout cela augure bien mal. Je crains que vous ne soyez un peu rouillé. Je vais essayer de vous rappeler rapidement comment tout cela fonctionne. Contrairement à l'habitude, les maîtres de donjons comme vous, oh seigneur des terreurs, sont plutôt heureux de voir des héros s'aventurer dans leur donjon. En effet, non seulement les héros ont de l'or avec eux, mais ils sont une excellente source d'énergie d'âme. Mais pour en collecter, il faut encore qu'ils s'amusent. Il est donc pour nous impératif de commencer par satisfaire les besoins de ces héros, avant de leur couper l'herbe sous le pied. Imaginez que les héros sont de petits cochons. On s'en occupe et on les nourrit jusqu'à ce qu'ils deviennent bien gras et bien repus. Ensuite, vous savez quoi? Au fait, oh mon maître, votre ami Diabolo, il fait exactement comme ça. Il donne aux héros les petites choses qui les amusent. Il leur envoie juste assez de monstres pour que les combats soient excitants, mais sans présenter trop de risques. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quand s'arrêter et s'occuper des héros comme il faut. Alors, il finit toujours par perdre. Mais tout le monde le sait, vous êtes bien plus compétent que cet imbécile de Diabolo. Merci. Dans ce cas particulier, les cochons sont bien trop nombreux et beaucoup trop bien armés. Je vous conseille donc un repli stratégique. Mais pourquoi tu m'expliques... Pourquoi tu m'expliques ça si... ...accessoires de prestige que possible. Cela vous rendra plus puissant et nous aidera à fuir. Nous devons faire vite. Nous devons rejoindre un autre niveau avant qu'un de ces héros ne détruise le cœur du donjon. Ah, c'est bien. Bon. J'ai-tu du cash au moins? Légumes des enfers, wow! What? Je sais pas si quelque chose en particulier. Regarde! Qui toi? Ange de feu, ouais, c'est ça. Attitude. Non, pas là. Dude, fais quelque chose, man. Prestige. Ok, il faut récolter. Il faut avoir genre 200 de prestige. Ok. Ah, oh, je sais pas. Moi, je mets des légumes des enfers partout. Je sais même pas à quoi ça sert ni qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais c'est pas grave, on en met. Envoyez donc. Je pense que les héros viennent buter une de mes bestioles. Guerrier squelette. Oh, c'est à lui les squelettes! Espèce d'enfoiré. Je vais essayer de poser plein de cossins partout là. Je sais pas ce que ça donne, ni ce que ça fait, ni ce que ça mange en hiver. Mais c'est pas grave. Ah ouais, il faut du prestige. Il faut des trucs prestigieux dans la vie. Ah ouais, attaquez-moi ça! Méchant héros, méchant! Hey, j'ai presque. J'ai 121 là. J'ai presque ce qu'il faut là. Faut pas qu'il se rende jusqu'à ma salle de. Du donjon, c'est ça par exemple?
Ah ouais, c'est ça. Ok. C'est pas un... Oh non, cet enfoiré-là veut me niquer mon chat toutes mes affaires. Mais non, mais... Oh non, mais non, mais... Il va péter mon cadre de donjon. Qu'est-ce que tu fais là, maudit gobelin? J'ai pas accès à des créatures, quelque chose. Moi, c'est sûr, on est en début de jeu, là. Mais merde! Ah ouais, gardien, bute-moi ce... T'en fais... Oh, mon gardien a l'air bien parti, il va le niquer. Ah ouais, pète-le! Ah, le torieux, il s'est soigné. Ouais, tu vois là, ouais. Ah ouais, nique-le, avec soin! 126 de prestige, est-ce que je peux en avoir plus et comment je peux en avoir plus? Non. Tiens, si tu veux du prestige, prends-en, c'est... Je sais pas ce que je fais pousser, mais c'est pas grave. Tu vas-tu le niquer maintenant, ouais? Ah non, je veux pas mettre ça dessus. Ah, il est mouru. C'est bien. Ramasse qu'est-ce qu'il y a sur lui et donne-le-moi. Petit gobelin mortel. Les héros sont devenus plus puissants. Oh, shit. Déjà qu'il y avait de la misère à buter un l'autre. T'es quoi, t'as monté un niveau, espèce d'enfoiré? Niveau 40. What? Je suis sûr, c'est pas légal. Pas supposé exister, ça. Pour l'instant, là, c'est sûr, je suis en début de jeu. Puis toi, t'es à niveau 40, t'es pas capable de buter ma bestiole. Ok, diablotin, niveau 50, c'est bien. Est-ce que je peux? Oui, je peux avirer. Ouais, ramasse-les. Fais-y peur, fais-y mal. Fais-y envoi de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais non, mais espèce d'enfoiré, c'est quoi ton problème d'essayer d'attaquer mon code de donjon? Faites de quoi? On va t'arranger ça, ce sera pas trop long. Si je trouve des spots, est-ce que je peux le poser? Excellent. Voilà! Je pense que vous êtes maintenant suffisamment fort pour tenter de fuir. Ok. Voici les escaliers que nous devons rejoindre avant que le cœur du donjon ne soit détruit. Parfait. Nous devons passer par cette porte que l'on peut ouvrir à l'aide d'un levier qui se trouve dans les environs. Ok, Loki. Ah ouais, mon grain. Lève-toi et marche. Ouais, il est chouette son costume, pareil. Yo, mon dude. Un héros a quitté votre donjon, sain et sauf. Bah, vaut mieux que ça en aille, qui me dérange, puis qui essaie de péter mon cœur de donjon, même. Il faut que quelqu'un s'occupe du levier, man. J'ai plein de héros qui sont en train de niquer mon donjon. Oups. Excellent travail, votre pourriture. Ouais. Non, presque plus rien qui... Qui? Qui? Vous pouvez attaquer les ennemis en cliquant dessus. Ouais, j'ai comme compris ce détail-là. Mais il y a comme 10 000 héros et ça, c'est quoi cette affaire-là, man? Mon doute va crever avant. Ouais, pète-le. T'as pu s'ouvrir des sons, lui. Ok, toi. On va le pimper. Bon, mais c'est bien. On les a eus. Ouais, voyez péter. J'ai dit d'aller péter, pas de faire péter. Let's go. Tiens, presque. Bon, ça y est. Pousse-toi, man. Allons-y, Alonzo. Maître, nous avons réussi. Nous sommes en vie. C'est bien. En revanche, je crains que vous n'ayez perdu votre trône et que vous ne soyez plus le prince des enfers. Mais n'ayez crainte, oh mon maître, nous vous aurons bien vite remis en selle, et de là, vous pourrez repartir à la conquête de votre trône.
Alors, évidemment, nous prendrons notre maléfique revanche sur Calypso. J'en subis d'avance. Mais avant d'en arriver là, il vous faudra regagner en force et en puissance. Plongeons ces terres dans le chaos et la destruction. C'est bien. C'est chouette. Calypso vous a trahi, mais elle n'occupera pas longtemps votre trône. Retrouvez vos pouvoirs et déchaînez votre vengeance sur elle. Ah ben c'est bien, c'est bien. J'ai gagné. Fait que on va finir ça là, on va continuer plus tard. Merci d'avoir écouté, likez si vous avez aimé, abonnez-vous sur plus de contenu et à plus.